Le jour de la libération, il y avait une messe Tédéum. Eh bien, il y en avait de monter dans le clocher de l'église, et au fur et à mesure qu'on sortait, ils nous tiraient dessus. Alors, ils ont été pris parce qu'on a été libérés par des Canadiens. Alors, ils parlaient le patois normand, mais aussi bien que les... Et papa n'en venait pas parce qu'il était monté sur leur char. Et il y en a un qui lui a demandé qu'on peut crier Dieu. Alors, il dit, mais c'est pas possible, Seigneur. Et moi, comme j'étais restée... Beaucoup, j'étais très peureuse, alors j'avais tourné ma barbe comme ça. Alors, il y a un prêtre, pas catholique, mais comment qu'on dit ? Évangéliste, je sais pas. Oui, enfin, un prêtre, un protestant, qui me dit, Simone, madame ou mademoiselle ? Je lui dis madame, parce que... Il me dit, tu sais, il y a un bon Dieu là-haut, il t'entend. Hein. Tu mens, je demandais à ton père, t'es pas marié. Hein. Alors je dis, mon Dieu, il va dire ça aux autres, et puis ils vont m'attaquer. Mais non, c'était... Alors ils nous gâtaient, ils nous donnaient du chocolat, ils nous donnaient tout ça. Ils nous disaient, prenez, ceux qui viendront après, vous en demanderont peut-être, mais nous, ils avaient tout. Hein. Vous, ah, c'était oui. Les Canadiens qui vous ont libéré? Oui, c'est des Canadiens. C'était à où ça? À Saint-Aubin? Saint-Aubin-des-Préaux. D'accord. Hein, on a été libérés par des Canadiens. Et il y avait Roger Lafrance, ça je le traitais parce que j'ai jamais eu l'adresse, moi. Simone Le Tourneur l'a eu. Il était jeune, marié, mais enfin, son épouse ne pouvait pas avoir d'enfant. Il avait passé à la Haie du Puy. Et il avait trouvé dans les décombres d'une maison une petite fille qui pleurait, ses parents avaient été tués. Et la petite fille pleurait sous les décombres. Enfin, elle était sortie des décombres, mais elle pleurait. Alors, il l'a prise, et puis il l'a mise en sécurité chez une nourrice. Il a payé avec de l'argent de la libération, mais ça n'existait pas chez nous à ce moment-là. C'était le franc, quoi, c'était pas... Alors, et puis il dit qu'après la guerre, il reviendrait la chercher. Et il est revenu la chercher. Mais alors, Simone Le Tourneur, la patronne qu'on était, avait l'adresse et ils ont correspondu longtemps ensemble. Et ça, c'est des souvenirs de 60 ans, plus que ça, même 44. 65 ans. Eh bien oui. C'est un souvenir de 65 ans. Eh oui.